William et Harry, cette sombre prédiction de leur mère Diana qui s'est avérée correcte. Selon un ancien majordome, Lady Diana avait prédit que ses deux fils seraient en conflit, une fois arrivés à l'âge adulte. Depuis mars 2020, le prince Harry vit désormais loin de Londres avec son épouse Meghan Markle. Depuis, ses liens avec son frère aîné, le prince William, sont rompus. Les deux frères ennemis ont été vus ensemble pour la dernière fois lors du couronnement de Charles III, mais aucun échange n'a eu lieu entre les deux hommes. Mais voilà que selon l'ancien majordome royal Paul Bourrel, la mère des princes, Lady Diana, aurait prédit que ses deux enfants seraient en conflit. La qualifiant des « artisanes de la paix », il estime qu'elle aurait facilement pu mettre un terme à ce conflit. Elle avait l'intention qu'ils restent tous les quatre ensemble, a-t-il déclaré. Cela lui a brisé le cœur lorsque sa famille s'est désintégrée. Elle aurait prédit que William et Harry auraient leurs propres problèmes et cela est devenu réalité. C'est une cause perdue sans l'aide de Diana, estime-t-il. Lady Diana était-elle la seule à résoudre le conflit entre ses deux fils? Malheureusement, les deux garçons de Lady Diana doivent se débrouiller seuls et leur réconciliation n'est visiblement pas prévue. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point de mécontentement qu'aurait ressenti la princesse des cœurs. En effet, selon Dicky Arbité, Lady Di aurait désapprouvé le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry. La raison? La précipitation de cette union. En effet, les deux tourtereaux se marient un an après leur rencontre. Un événement qui aurait mis en rogne sa mère si elle avait été en vie. L'expert royal a indiqué qu'elle n'aurait pas laissé son fils épouser Meghan Markle. Si Diana avait été en vie, je vais me risquer à dire que je doute que Harry aurait épousé Meghan. Diana faisait très attention à ses garçons, ils étaient ses garçons. Elle les protégeait, et elle les aurait protégés contre toute personne qu'elle estimait ne pas être la bonne personne. Meghan Markle aurait-elle été acceptée par Lady Di? Il semblerait donc qu'un fossé aurait pu s'établir entre Lady Diana et Meghan Markle. Et ce n'est pas le seul point de divergence. En effet, le prince William aurait été très en colère que l'on compare sa belle-sœur à sa mère. Le fait que la tension avec les Sussex ait désormais un impact sur la célébration de l'héritage de leur mère est hors de portée pour William. Mais ce n'est pas comme s'il pouvait vraiment en parler avec Charles et Camilla, car il y a évidemment une histoire là-bas avec Diana éloignée de la famille royale. Donc il se sent plutôt seul sur ce dossier.